au fait, il appartient à qui ce château? Bah, monsieur Rousselot, hein. Non, mais avant. Pour la petite histoire, il a été fondé en 1180 par Guillaume de Lusignan et Denise d'Angle, qui n'aurait pas eu de descendance d'ailleurs. Mais la légende raconte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon les gars, on va faire une pause et je vais vous raconter l'histoire. Venez. Guillaume de Lusignan était un puissant seigneur du Poitou. En 1189, il décide de faire marier sa fille Frénégonde à Geoffroy d'Anjou. Tu vois, Geoffroy, grâce à ces épousailles, non seulement je te donne mon unique géniture, mais en plus tu vas recevoir toutes mes terres et mon castel. Mais messieurs, les tablettes, ça n'existait pas à l'époque. Ouais, bah une carte fera l'affaire. Ouais. Tu pourras régner en maître sur les marais salants et la forêt du Bâconnais et faire prospérer ce comté. Peste soit de ces épousailles, mais que font donc ces gueux? Je vais les étrier, les oxyre, les pourfendre s'ils ne finissent pas prestement. Daddy, why are you shouting? Non, mamie, je ne veux pas épousailler Geoffroy d'Anjou. Je renonce à ce dame-là. Mais enfin, Frénégonde! It's not possible. Nous n'allons pas laisser tomber ce château en quenouille. Votre rôle de femme est d'obéir et d'espousailler Geoffroy avant que votre père ne découvre le poteau rose. De toute façon, vous n'avez pas voix au chapitre. Mort diable, si elle pense que je vais me tenir à carreau. We'll have to find a secret way to communicate. Yes, Major. What about sending me a message? Okay, honey. I'll do that. I'll let you know. Cher Fée Mélusine, toi qui as toujours soutenu les seigneurs du Poitou, peux-tu m'aider prestement? J'aime Robin et je ne veux que lui. Venez, damoiselle. Que je vous livre un secret. Mon bon Théodran? Oui, ma fée. Vous préparerez un charmement pour notre damoiselle. Ce sera fait, madame. Non, mais monsieur... Alors, oui. Hey, my love. Did you get my message? Rendez-vous au banquet du mariage. J'ai une surprise pour toi. Thank you.
Je tiens, en cet exceptionnel moment, à célébrer les épousailles de ma douce Frénégonde avec l'héritier du castel voisin, Geoffroy d'Anjou. Buvons à cette union. Je saurai faire honneur à votre castel. Que diantre ! Que ces boulins sont succulents ! Dieu, peste soit de ce coquebert qui me rapine ma fillotte. La légende précise qu'il se serait perdu dans les marais. On ne les aurait jamais retrouvés, et de fait, Guillaume de Lusignan n'aurait jamais eu de descendance. Ah, dommage. Thank you.